J'ai pas un c'est. canapé dans mon couloir. Bon, tu vas passer une heure sur un tapis, c'est bon. Mais c'est important, c'est mon coin, moi. Aide-moi, comment ça s'appelle ça? Non. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec Moi-même, Doudou. Doudou et Panda qui s'est légèrement incrusté pour la vidéo, mais voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de On fait notre maison dans les Sims IRL. Et aujourd'hui, je me suis dit que Doudou pouvait participer tout du long, comparé à la dernière fois où il est venu qu'à la fin, pour me déconcentrer et me faire comprendre que mon travail c'était. Un petit truc, je suis venu à la fin parce que je rentrais du travail, mais bon, ça on va pas le dire. Oui, mais pour me dire que ce que j'avais fait c'était nul, quoi. Non, c'était de la bip parce que c'est aligné les fenêtres, elles Bon, sont pas bref, un coup de sol. pour ceux qui le veulent, la vidéo est disponible, n'hésitez pas à aller la voir, vous verrez qu'on n'est pas forcément très d'accord, même si au final il avait raison. Maintenant, on va passer à la partie 2 de la vidéo. Je ne sais pas si ce sera en 3 parties ou en 2 parties. On verra combien de temps on met pour commencer à décorer. Si on a le temps de tout décorer, ça sera en 2 parties seulement. Et si on n'a pas le temps de tout décorer, du coup, ce sera en 3 parties. Il y aura cette partie-ci et une partie pour la dernière, les dernières étapes des dernières décos de la maison. Voilà, on va essayer de faire les choses bien, essayer de vous faire notre appartement le plus réaliste, notre maison plutôt, le Maison. plus réaliste possible. Donc c'est parti, t'es prêt? Oui. Panda, t'es prêt? Ouais, let's go pour la vidéo. Donc, nous voici dans notre petite maison pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Ici, c'est mamie Colette, apparemment, Oui. qui habiterait ici. Ah, on avait testé des petites décos. On s'est dit, hey, tu sais que ça pourrait faire joli si on installerait ça? Et du coup, on avait laissé. Bon, bref, là, c'est notre petite maison. Ah oui, je voulais changer ça. Attendez. Donc oui, voilà, là j'ai changé, j'ai mis cette porte de garage là, c'est pas une vraie porte de garage, ça vient avec le pack loup-garou que je viens d'avoir. Du coup j'ai mis ça parce que ça ressemble quand même un peu plus à une porte de garage, je trouve. Bon après la nôtre n'est pas rouillée, hein, c'est Non. un de ceux trucs qui est quand même encore en bon état. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, là c'est pour faire l'effet de. Et j'ai rajouté ici des petits chéneaux parce que Doudou m'a fait remarquer dans la dernière fois. M'a fait remarquer la dernière fois, j'ai réussi à parler, qu'on avait des chéneaux ici. Donc là, je sais que nous, on... je sais, c'est bien, je sais, je suis au courant de que chez moi, j'ai une table. Je suis en Félicitations. train de cliquer sur quoi là? J'ai une table de salon de jardin qui est rectangle, et du coup, on n'en a Mais pas. celle-là plutôt, non? Ouais, ça fait un Celle-là, peu. elle y ressemble Ouais. un peu, ça fait un peu plastoc. Ouais, Oui, c'est parce ça. qu'elle est en plastique, notre table, hein, très Oui. clairement. Ok, maintenant, il faut les chaises qui vont avec. Ok, là on est bien. Il y a aussi un parasol normalement. Ah, mais t'en as pas de parasol. Si Ah, j'en ai si. un. C'est pas un autoporté qu'on a. Hein. Non, nous il est au milieu, mais j'ai pas le parasol du milieu. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh. Du coup, est-ce que je le mettrais pas comme ça pour qu'il recouvre la table? Mais si grand. Là, on a une petite étagère. Où c'est qu'on met nos fleurs? Ah, oui, si tu veux. Oh. Qu'est-ce que tu m'as fait sur la porte de garage? On n'est pas dans les douves. Mais c'est quoi ce truc? J'ai pas trouvé de porte qui ressemblait à notre porte. En plus, elle est de l'autre sens. Bah oui. Elle est comme ça. Parce Oui, que bah là, je celle-là vois. non plus, elle est pas comme ça. Non, mais c'est quand Hein. même plus ressemblant. Parce que Tu là, veux que je te déjà, mette là, celle-là? tu laisses comme ça. Je pouvais pas ouvrir, hein. Là, je suis dans le montant du porte de garage, hein. Mais elle est pas comme ça, notre porte de garage. Non, c'est une porte simple. Mais je remets celle qui était là. Mais comme ça. Oui. Non, t'aimes pas. Non, mais vas-y, c'est bon. On va pas Oh non. polémiquer On parce que va pas être je commence déjà à d'accord. reprendre toute ta vidéo, ça va pas le C'est faire. ça. Là, il reprend tous les trucs. La vidéo va faire 10 parties, je pense. Minimum. Une vidéo par endroit, hein, en fait. Une pièce, une vidéo. Parce que là, on est déjà à 20 minutes et on n'a absolument pas fini notre cours. Là, on a des petits papillons, en fait. Je sais pas du tout par Alors, quoi on les voulait les remplacer. ôter, donc après, tu sais, je sais pas si vous pouvez les laisser. Vous les mettre. Oh, mais si on fait la reproduction de ce qu'on Ah a, on a pour l'instant nos oui. papillons. Parce que sinon, là, il faut mettre la jardinière. Ben oui. Là, il faut mettre des fleurs. Oh, on a le fauteuil! On a un fauteuil ici. Voilà, ici, j'ai mon petit fauteuil. Oui, non, mais tu vois, parce que par la suite, là, il y aura des pots de fleurs. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Là, ici, il y a normalement, il y a des fleurs. Ici, on va faire une jardinière tout du long. J'ai peut-être mis une marquise au-dessus de la porte. Ouais, il voulait en mettre une aussi. Bon, bref, Oui. on a prévu encore des travaux. La cour est en travaux. Clairement, la cour, elle est en Ah oui, travaux. ça On va la oui. laisser comme ça pour l'instant parce qu'en vrai de vrai, je pense que si un jour on refait des travaux dans la maison, on pourra changer ici. Oui. Mais ça va disparaître. Notre petit chat Félix, il va disparaître. Ça, non, je le garde, ça, mon papy. Là, mais elle sera plus fleurie que ce qu'elle n'est là.
Ça, bon, on va garder ça pour l'instant. Mon fauteuil, je le garde, j'y touche pas. Mais là, on aura du coup des pots de fleurs. Là, on aura notre jardinière. Ici, on aura quand même un peu plus de déco parce que là, c'est un peu pourri. Il faut qu'on refasse. Mmh. Et le sol aussi, on va refaire. Donc bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Mais voilà. Faut savoir que c'est pas vraiment comme ça qu'on veut que ce soit. Nos toilettes. Ok, on va pas passer 3 heures sur des toilettes, quoi. À un moment donné. Ah, mais moi, j'aurais plus celui-là. Ça ressemble plus à ça. Donc, ouais, à Jacob, quoi. Ah non, celui-là, non, c'est celui-là. On va utiliser des CC dans cette vidéo, mais tu vois, c'est trop large. Ensuite... Tu veux qu'elle soit fonctionnelle, ta pièce ? J'aurais bien aimé, mais bon, je ne sais pas. Alors, attends, ça doit être là-dedans. Bah, le papier WC, quoi. Alors, attends, on va se mettre comme ça, parce que sinon... Qui est à peu près ici. Ça. Ensuite... Au niveau de l'épaisseur, ça ressemblerait plus à ça. Oui, ce serait plus ça. Oui. On a une poubelle dans les toilettes. Poubelle. Oui, d'abord, les poubelles. Attends. Ah. Ce serait celle-ci. Oui. On va la mettre en blanc. Avec un dôme. Oui, là. Mais plus petit. Ouais. Vous voyez. Voilà, voilà. Mais donc, c'est pas beau tout ça. Et il y a la brosse à toilettes. Oui, mais j'ai pas le kit, donc du coup, je ne l'ai pas. Il est où le kit ? Ah, mais attends, on n'a pas mis le sol. Dans l'entrée. Une commode. Attends, le c'est gris. Mmh. C'est gris, donc déjà, hop. Et là, c'est tout gris. Ouais. On a une... Alors, attendez, là, il faut qu'on remette un mur. Ici. Et que je mette... Alors, attendez. On a encore par mon pot. Ouais. Tu peux faire ça ? Ouais. Ah, c'est bien, c'est beau, ça. Alors attends, par contre, faut que je trouve une arche. Je sais qu'on l'a. Voilà, elle est là. Je l'ai vu. Mais là, c'est pareil, ça fait pas ça. Non, parce ça que... Ça fait tout le truc, donc il m'en faut une de deux. Ouais, non, il m'en faut une de deux. Je dois en avoir une de deux. Voilà. C'est en ça. Vrai, ça fait ouais, une ça porte, fait mais oui. Voilà. C'est vrai, hein, par contre, t'as raison, il faudrait faire un demi-carreau. C'est ça, en fait, il faudrait des 1,5 pour bien faire, des demi en fait, pour bien faire, parce que là, du coup, c'est un peu compliqué. Donc là, on a un meuble. Bon, c'est pas vraiment celle-là, mais bon. Là, on a la porte qui va à la salle à manger. Bon, alors, après combien de temps 40 minutes de tournage. On a décidé que cette maison se ferait en deux parties. Oui, bien parce qu'il sera absolument impossible pour nous de la faire en un seul contenu. C'est... On n'est jamais d'accord. Ça aussi, c'est un fait. Ouais. Tu vas où là ? Ben, je cherche un radiateur. Mais ça ressemble plus à notre radiateur. Oui. Mais. ça... C'est pas vrai qu'on se dit. Donc, petit récapitulatif, parce que je ne sais pas où on s'est arrêté. Donc là, on a mis notre commode avec notre petite boîte, notre boîte à clé, notre sonnette, nos interrupteurs. Ici, on a un distributeur à essuie-tout, mais c'est notre compteur électrique. Voilà. Mais, t'as pas des étagères. On a oublié notre lustre. Là, ensuite, on a notre effet radiateur, puisque on n'en a pas pour l'instant... Il faut absolument... Si vous savez où sont les radiateurs ou dans quel pack ils sont... Dites-lui parce que là... Je les cherche depuis plusieurs jours. Oh, plusieurs années, semaines. Même. Non, semaines. Ah, pardon. Là, on a un miroir. Ici, on a un grand éventail. Mais il n'y a pas d'éventail dans les Sims, donc voilà. Là, on vient de mettre notre porte. On se rend compte que très clairement, au niveau des proportions, ça ne va toujours pas. C'est compliqué à faire votre maison, mine de rien. Sincèrement, je voyais pas aussi compliqué que ça. Non, mais après, on va laisser un peu près comme ça. Oui. Là, on va mettre ça là. Ouais. Ça, on va mettre ça là. On va faire un peu plus spacieux et puis c'est tout. Hein, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Le gris, il est là et là. Oui. Le rose est chaque rose de l'autre côté. Non, c'est pas ce rose là. On ressemble un peu à ça, oui. Là, on a le rose là. Ouais. Ensuite, on a un lavabo. J'ai vraiment un énorme miroir. Ce serait vraiment ce style-là, mais dans l'autre sens, tu en fait. Pas non. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis, on va en prendre un qui ressemble, je dirais, celui... Ouah, si, ah, celui-là, si, ça, il ouais. y est pas mal encore. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est pas centré, hein. Il est plus là-bas, hein. Plus, ouais, il ouais, est ouais, plus ouais. par là. Ouais. On va mettre comme ça. Et on a... Là, on a des petits meubles. C'est ça, en réalité.
Bah ouais, mais tant pis, on va mettre ça. Hein. Bah non, t'as pas le choix, faut que tu mettes ça, hein, mon chat. Voilà, on a ça. Mais même au niveau de la hauteur, nos cubes, ils sont pas aussi hauts, puisque du coup... Bah non. Bref. Donc, te revoici pour le jour 2. Alors, on a fait une pause, parce que tout clairement... Tout bêtement, c'est super long. On a galéré de ouf, et du coup, j'ai été rechercher deux, trois petits trucs. Donc, les petits changements qu'on a fait, on va vous montrer quand même. Petit. Alors, on a baissé la hauteur sous plafond parce que sinon ça faisait vraiment trop bizarre. Il y a pas, c'est pas proportionnel chez les Sims, donc ça ne va pas. J'ai remis des autres fenêtres du coup parce qu'en baissant la hauteur sous plafond, il fallait changer les fenêtres. Donc du coup, j'ai changé les fenêtres et j'ai rajouté des faux volets. Enfin voilà, hein. Donc on a rajouté les chaînes ou la bouche d'aération. Écoutez, là, on n'est pas trop mal. Ça ressemble toujours à chez nous. La bouche d'aération ? Non, pas du tout. La bouche d'égout. Par contre, je voudrais savoir pourquoi ta cimette, elle est chicolée. On va bien savoir ça. Qu'est-ce qu'elle va foutre là-bas ? Bah, je sais pas. Écoute, laisse-la chez Colette, hein. Donc, dans la cour, on a rien modifié, me semble-t-il. Non, il me semble ici qu'on a rien modifié. Ensuite, dans le couloir, on a rajouté donc des radiateurs. Donc là, je les ai superposés parce que nous, on a un haut radiateur ici, ouais, dans l'entrée. Là, on n'a pas touché. Donc, on a déjà mis les portes, les radiateurs, les papiers peints et les sols, histoire de gagner un peu de temps. Donc là, on a toujours notre compteur distributeur de papier. T'as pas cherché ça par hasard? Si, j'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé. T'as donc, du coup, tant pis, il restera comme ça et puis ça sera très bien. C'est quoi ça? Ben, c'est pour remplacer nos petites boules en alu. On n'a pas de petites boules en alu dans le jeu, donc voilà. Le lustre, là, c'est pas lustre 2, c'est un lustre 4 qu'on a. Ben oui, mais il n'y a pas. C'est celui qui se rapproche le plus de chez nous. Bon, bref. Là, on en était à notre salle de bain. Donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne. On va se mettre en comme ça, je pense. Là, j'ai été télécharger un miroir en CC et j'en ai assemblé plusieurs pour avoir un miroir qui ressemble à la taille d'une autre, tout simplement. Ben non, en fait, je suis obligée de me mettre comme ça parce que sinon, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On a un panier à linge. Ah oui. Exact. Petite poubelle aussi, celle de bain. Alors, on a la lessive. Elle est cachée. Ouais, mais là, on... Si, hein. Moi, je sais pas que chez nous. Chez nous, elle est pas là. On va la mettre... Tu veux la mettre là? Ah non, elle va pas rentrer. Ah si, ça rentre. Si, ça rentre. Ah, si, allez, on va la mettre là. Bon, par contre, t'as vu, ça. On a plus que 10 000. On aura 10 300. Ouais, bah, ça va pas étouffer, hein. On a quoi ensuite? On a bah, du coup le pot à brosse à dents qui est là, hein, à peu près. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix au niveau des cubes. Hein. Parce que, mais j'y pense, les cubes, c'est pas du tout comme ça. Non, celui-là, il n'y est pas. C'est comme ça chez nous. Non, c'est un 3 déjà. Ah, c'est un 3 et un 2. Ouais. Attends. Ouais. Attends, j'enlève ça. Non, j'attends pas. Attends. Le temps, c'est de l'argent. Hop. Mais ça passe pas dans le miroir. Hein. Du coup, le miroir... Non, ben ouais, mais c'est parce que ça fait trop. Ouais, mais non, mais tant pis, c'est pas grave. Les brosses à dents, elles sont sur celui du bas ou celui du haut? Celui du bas. Celui du haut, c'était boule de bain. Ah ouais. Bon, on va peut-être mettre ça. Ça va remplacer. Là, on a des bougies. Alors, on avait une étagère. Plus haute, mais je pourrais jamais la mettre. Non, derrière la machine à laver, oui. Bah, c'est... Ah oui, derrière la machine à laver, ouais. Alors attends, il faudra que je les cherche après. On a les serviettes. Est-ce qu'on les mettrait pas là, comme c'est là qu'on va les mettre par la suite? Je dis oui, madame. On a aussi le petit chiffon à main, là. Ouais. Hop. Dans le miroir. Non, toi, tu t'amuses à le mettre dans mon miroir. Moi, ça m'énerve. Sur mon miroir, ça m'énerve. On va mettre du rose. Comment ça, du rose? Ah, mais non, mais c'est trop large. Ah, oui. Et celui-là. Ah, mais ça, c'est pour des toutes petites serviettes. Petite serviette, tu vas être sûr. Bah, on va mettre les crochets. Ben voilà, hein. Ça, oui, très bien. Par contre, en couleur, il n'y a pas des couleurs un peu plus soft? Ouais, vas-y, ça, c'est pas. Hop. Là, on a une... Ah, bah, le panier à linge. Noir, il est noir, chez nous. Bon, bah, du coup, on a marron. Bah, il est énorme! Il est aussi gros que le... Ah. Ouais, on va le mettre comme ça, hein. Pivoter!
Qui est voté ? Là, on a du coup bah, une étagère d'angle, mais ici, on peut pas la mettre. Donc, on va voir si on peut pas faire un truc qui ressemble. Est-ce que ça fait pas un peu trop haut, trop d'écart ? Non, c'est pas si mal. Bon, là, du coup, toute cette partie-là, normalement, c'est en faïence. Mais là, moi, je peux pas la faire. Donc, Ah bah si, non, l'étagère. Oui, attends, je vais la chercher. Là. Elle est en quelle couleur ? En bois, hein ? Oui, bois, c'est... Mais me dis pas que t'as pas un réveil qui traîne là-dedans ! Ben, je suis dans les réveils, j'ai rien d'autre. C'est les horloges. Eh ben, on met ça ! Eh ben, moi, je dis oui ! Eh ben, on met le dinosaure, allez. Si tu veux, c'est rigolo. Bon, la salle de bain, on peut dire que c'est... Allez, on va mettre le canapé. C'est... J'ai pas un canapé dans mon couloir ! Mais si, c'est rigolo, très bien. En plus ! Bon, ok, là, on est pas mal. Ensuite, on vient ici. Alors là, ici, ça va être un enfer. Là, ici, là, on est là, nous. Putain, que je t'ai dit. Oui, mais tu peux pas, on peut pas. On va prendre deux cubes là, pour mettre la plaque une... Ah bah non, si tu as grossi ton étagère... Non, mais ça, là. C'est comme ça. Oui, c'est pas faux, oui. Techniquement, la couleur, elle serait bonne. Ouais. Mais je vais être obligé de les passer en comme ça. Ouais. Et là, j'en ai quatre. Qui ne sont pas plus hauts que le bureau, mais voilà. Est-ce que... Là, je sais pas si je vais avoir une étagère qui va y ressembler. Si, il y en avait une, il me semblait, non ? Pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de tapis rouge ? On peut mettre ça. Hein. Oui, allez, vas-y, ça va. Je t'ai d'accord. Ouais, celui-là, il ressemble. Non, pas du tout, mais... Alors, le rouge est mieux. Mais il n'y a pas le cadre. Et on a qu'un seul tapis, on n'a pas plusieurs sur l'autre chez nous. Ouais. Bon, tu vas passer une heure sur un tapis, c'est bon. Mais c'est important, c'est mon coin, moi. A few moments later. Non, mais on va remettre celui-là. Hein. Voilà, mais celui-là. Celui-là est pile poil... Plus tu vois, t'avais dépensé plein de sous. Voyons donc. Oui, mais j'en remettrai. Ah. Voilà. C'est plus rouge comme ça, mais on va dire que c'est comme ça. C'est un rouge tout uni. On va poser ça. Et puis par contre, il faudrait que je remette quand même un deuxième écran. C'est dommage que je puisse pas le faire glisser où je veux. Là, j'ai pas le choix en fait. Faut que je le mette comme ça. C'est dommage. Ça, oui. Et si jamais je vais dans le salon, que je prends ça pour faire un deuxième écran. Plus petit. Tu peux pas réduire un petit peu. Oh. Ouais. Tu veux faire pivoter un chouïa ? Un chouïa, t'as dit. Arrête ! T'es relou ! Alors, ensuite, ici, moi j'ai une plante. Et une horloge. Bon, on l'arrête avec mes horloges. Aide-moi, comment ça s'appelle ça ? Lampe. Regardez, ça ressemble bien. En vrai, ce serait celle-là. Oui, mais tu peux pas mettre un plus petit. Votre ici. Non, mais je peux pas la mettre au-dessus. Oui, allez, vas-y. On va prendre ça. Allez. Bon, alors, ok. Là, j'ai un... Un Olaf. Un poster Olaf. Non, un cadre. Ouais, enfin, un cadre Olaf. Moi, je veux que tu trouves Olaf. Ouais, Olaf, je le trouverai pas, mais... C'est dans les tons, là. Tout à fait. Ensuite... C'est un grand camion avec Olaf. Grand canyon, pas camion. J'ai le nez bouché. Je suis désolé. Hein, si certaines fois mes lettres sont pas le bon son. Là, on a une grande étagère qui fait comme ça. Là, j'en ai une aussi qui fait du coup là comme ça. Honnêtement, ça ressemble un peu à chez nous quand même. Hein. Là, on va pas se mentir. Bah, hein. Quoi? Bah. Pourquoi ça? Ah, il y avait un bug. C'est ouvert, là, merci. J'ai pas d'aller voir dans le couloir, ça s'est fermé. Qu'est-ce que t'as fait? Ce serait rigolo. Non. Si. Non, je rigolerais pas, moi. Non. Non, c'est sérieux, ça? Ah, peut-être. Faut couper. Non, on va pas couper, à tes souhaits. Pourquoi? Est-ce que c'est rigolo? Ou alors je laisse comme ça, tant pis. Ça y ressemble. Franchement, on dirait quand même mon bureau. Alors, ici, ensuite, changement. On est dans le coin salon. On a un canapé ici. Je dirais qu'il pourrait potentiellement ressembler à ça. Oui, oui, c'est exact. À peu près. Alors, ça dépasse. Si, dépasse. Oui, dépasse, c'est ça. Oui. On pourrait dire qu'il ressemble à ça. Ouais. Bon, là, par contre, ça me paraît extrêmement large. Hein. Ah oui.
On n'est pas du si large. Même là, c'est très large. Hein. On n'est pas aussi large. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'arrête de toucher aux proportions parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et t'auras jamais pareil, hein, mon cher Denis. C'est normal. Ici, on a une petite, un tout petit meuble bas. On va mettre ça comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on a un meuble de télé. Ouais, peut-être comme ça. Ouais, ça je dis oui. Ouais. Oui, si. Un peu plus petite, mais c'est ça. Alors, au-dessus, on a une étagère avec des pop. Comme ça, je dirais. Yes, of course. Et là, on devrait peut-être baisser un peu la télé. Ouais, ça, je trouve ça un peu trop haut. Hein. On est plus, voilà, comme c'est ça. C'est un peu près mieux de fenêtre. Hein. Comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Ouais, c'est ça. Avec nos pop d'Harry Potter. Et là, on a encore une étagère avec d'autres pop d'Harry Potter. Oui, vas-y. On peut mettre ça. Hein. Ça ouais. pourrait. Ça... Ouais. En fait, elle est en carré, mais ça ressemble à ça. Les rideaux. Alors là, on voit qu'il y a un problème. Parce que techniquement, le pan de mur là donc, n'est pas si grand, mais surtout, c'est centré. Et du coup, ça arrive à ras de la fenêtre. Mais comme j'ai dû changer mes fenêtres, du coup, ça a changé un peu le truc. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Changer un petit peu la perspective de la chose. Là, on a re des cubes. Oui, parce que notre maison est un cube ambulant. Là, au-dessus, on a une étagère comme ça. Ah, on peut pas la grossir un peu. Si, on va la faire rentrer un peu dans le mur. Ah, elle peut pas rentrer dans le mur. C'est plus gênant, quoi. Non, au pire, ça dépasse pas. Oh, non. Elle dépasse un peu. Ah, mais ouais, ouais, mais de l'autre côté. Ouais, mais c'est pas grave. Comme ça, ok. Et là, on a la table de salle à manger. Ça. Voilà. C'est tout à fait ça. On va déjà petite plante au milieu. Attends, on va poser les meubles déjà. Est-ce qu'en meubles, on est bon? Ah, il y a un tapis. On a un tapis. Je pense que c'est soit qui irait, ce serait comme celui-ci. Tu vois, il est à peine plus petit. Ben voilà. Attends, parce que. Qu'est-ce qu'il est bon, le dédou? Et puis en plus, sa couleur, elle est plutôt pas mal. Hey. Il est doué. Ouais. Alors, ensuite, on a le lit du chien, là. Là, on a un griffoir de l'autre côté. Qui est là. Bah, du coup, on va le mettre là. Hein. On va pas... Il est en dessous de la fenêtre, mais bon, voilà. Mais nous, les fenêtres, elles sont enfoncées. Ouais. Oui, là, il y a des petits décrochements, mais si je les faisais, ça faisait trop. 1 hour later. Alors là, normalement, il y a notre photo de mariage. Non. C'était quoi, un mariage, ça, oui. Hop. T'es pas gentil. Non, t'es pas gentil. Tiens, on aurait pu mettre Mathéo. Attends. Réduit un peu. Voilà. Et en vrai, on n'est pas si mal, ça non, y ressemble. Hein. Oui. Franchement, ça ressemble à chez nous. Hein. Oui. Alors, maintenant les miroirs. Par contre, les miroirs, il n'y aura pas du tout, ça c'est certain. Ah bah non, ça. Ah bah oui. C'est ce qui fait le plus original. Oui, c'est bien vrai et tout ça. Voilà. Mmh. Et là, on est pas mal. Oui. Là, on a notre salle à manger. Donc là, on va mettre des plans de travail. Est-ce que je pourrais pas remettre en... Attends. Je peux peut-être faire comme ça. Oui. Oui, bien, ça c'est bien. Parce que du coup, comme ça, je pourrais peut-être mettre le micro-ondes. Voilà, au fond. Ça. Alors là, normalement, on a un plan de travail qui revient par-dessus. Et là, la place d'un plan de travail normal. Mais bon. Du coup, il est très large, notre plan de travail. Attends, on a un four, là. On a le four. Ah oui, mais tu vas voir comment. Bah, je vais faire un four incrusté. Un gros four, tant pis. Il rentre normalement, tu vois, genre... Ah non, il se met au-dessus, celui-là. Un four comme ça. Voilà, tant pis. Oui. Mais nous, c'est un four comme ça, en fait. Il est intégré dedans, mais il y a un petit étage, là. Là, on peut pas le faire, donc c'est pas grave. Mais... Ah, et du coup, on peut mettre la petite lampe. Alors oui, passe devant notre porte. On a condamné la porte. Bah, en fait, on va peut-être le coller là. Parce qu'il y a la poubelle, là. Ouais, pas faux. Mais normalement, là, il y a encore une étagère, en fait, là. Un plan de travail, oui, voilà. Mais il est gros, notre... Mais oui, c'est un double, mais je fais comment? Bon, bah, on n'a pas le choix, on va mettre comme ça. On va mettre comme ça, ouais, non, mais après, voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout, quoi. Ensuite, du coup, ça va là. Est-ce qu'il y a une autre couleur?
On va mettre en gris. Là, j'ai tous mes appareils. Ah oui, attends. Bah oui, il faut que j'y retourne. Là. Alors, à ce niveau-là. Fais gaffe parce qu'il faut pas que ça gêne dans ton machin, mon chat. Ton appareil pour ménager, c'est plus lourd qu'elle est. Ah ouais. Donc, faut que je la mette là, tu vois. Ouais, crois. À peu près. Là, je sais pas comment faire parce que là, on a la. La chaudière avec le boîtier. Oui, ça pourrait ça donner pourrait l'illusion. Faire, ouais, ouais. Illusion, ouais. Mais là, on a la, les gamelles des animaux, du coup. Gamelles de l'animation. Bah oui, mais si on doit mettre toutes les gamelles dans des endroits différents parce qu'elles ont toutes une gamelle spécifique. Ouais. Alors, on en a une bleue ici. Ouais. On en a une verte. Ouais. Ah, j'aurais dû me prendre toutes celles de la même. Ah, on est en forme de chat, c'est rigolo. Ouais. Une bleue ici. La gamelle là-haut. Ouais. Attends. Attends, il y a la rose. Ici. Là, on peut mettre celle de panda. Ouais. Elle est ici. Ouais. Lucky, lui, elle est ici. Avec une gamelle bleue. Attends. Mettre la gamelle. Bah attends, peut-être que la gamelle on pourrait prendre celle-ci. Voilà, le qui c'est ici. Panda c'est ici. Les filles c'est ici. Alors pour la gamelle d'eau, il n'y a pas de gamelle d'eau dans le jeu, donc on va prendre ça, je pense. Ouais. Ça fera office. Voilà. Voilà. En vrai, c'est un peu comme ça. Vraiment, c'est un peu comme ça. Ouais. Alors, pourquoi les filles sont toutes séparées, Panda et Lucky? Parce que sinon, elles vont toutes manger dans les gamelles des unes et des autres. Elles ont toutes des repas différents. Panda, lui, est éloigné parce que sinon, il mange toutes les croquettes des filles et les croquettes de Lucky. Et les filles volent toutes les croquettes de Lucky qui est beaucoup plus vieux. Donc, du coup, on le met à part et Lucky a une gamelle d'eau supplémentaire en plus de, voilà, pour qu'il puisse avoir de l'eau. Donc là, c'est sous le radiateur. Parce qu'on est en été, quand on sera en hiver, ça sera décalé par là pour pas que l'eau soit chaude. Bref, voilà. Vous avez compris le principe. Alors, ensuite, ici. Nous avons un rideau. Alors, attends. Non, parce que, attends, il y a plus de choses. Oui. Il y a déjà les habits. Mais par contre, ils sont immenses. Ils ont un problème de proportionnalité chez les Sims. Oui. Ok. Il y a un rideau rouge. Ensuite, on a pour... les chats, les animaux, il y a leur litière. Ça, on aurait pu les mettre dans l'entrée. Alors, on va peut-être juste les réduire. Et donc, tu laisses ça comme ça, tu sais. Oui, alors nous, c'est dans un conteneur. Hein, parce que là, c'est juste pour dire que c'est le coin des chats. Mais nous, et c'est dans chats. Un conteneur parce que sinon, Nini, elle mange tout. Ça, on peut mettre ça sur la commode dans ouais, l'entrée. C'est bien. Donc voilà, là on se retrouve devant chez nous, donc c'est parti, on va vous montrer un petit peu. On a fait quelques modifications, on a fait beaucoup hors vidéo, enfin hors vidéo, on filmait mais je vais couper parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà, là on se retrouve dans ma cour, voilà, ma petite courette, hein, on va pas se mentir. Mes petites fleurs, la porte du garage, là hop, là on a nos petits escaliers. Notre petit perron, oui, ça fait plaisir à Doudou. Hop. Ici, on a donc notre entrée avec notre boîte à clés, nos interrupteurs, notre petite commode, les gamelles à Kiki. Donc le sol, on a pris le sol usé, mais tout simplement parce que notre sol, il est usé, réellement. Et en vrai, quand tu arrives dans notre couleur, on a vraiment ça comme vue. Hein. On a littéralement non, cette faut, vue. Non, faut, j'ai pas de canapé à coucher. Ah, j'ai pas mis les barrières. Attendez. Donc voilà. Cette fois, on voit bien, effectivement, on est plus haut que tout à l'heure. Donc là, ici, on a nos WC. Voilà. Bah, c'est très clairement nos WC. Hein. Mais de ça. Bah, il est où le truc à papier toilette? Donc voilà, ouais. Nos WC. Ouais. Ensuite, quand on continue et qu'on va sur notre gauche... Alors oui, notre interrupteur est en dehors de la salle de bain. Et autant vous dire que c'est un enfer. Parce que si quelqu'un a décidé de vous embêter et d'éteindre votre lumière, il le peut. Bah, voilà. Oui. Mais si tu le mets à l'intérieur... Quand tu prends une douche. Bah non, les gens d'en bas, ils l'ont à l'intérieur. Ils auraient pu nous le mettre là au lieu de la prise de la machine. Donc voilà, là on a notre machine à laver. Ici on a nos meubles en cube, notre petite poubelle. L'évier, il est sale, hein. On aurait dû en prendre un autre. Enfin le lavabo.
Ici, hop, hop, comme ça, c'est comme ça. Mais la salle de bain, elle est en travaux, hein, pour être honnête. Hop, ensuite, alors ça, c'est notre compteur distributeur de papier. Ouais. Ensuite, quand ça on arrive... Du style. En vrai, si, on dirait vraiment chez nous. C'est impressionnant. En fait, ça fait très bizarre parce qu'on est dans cette pièce et là, on a cette vue, en fait, si vous voulez. C'est ça. Du coup, c'est un peu choquant quand même de voir qu'on a la même chose en face de nous. Donc là, voilà, on a notre salon. Ici, c'est mon coin bureau. Voilà. Exactement, on est là. Nous, on est ici. Voilà. Pour vous dire. Voilà, on est là. On a la vue sur Olaf. Et nous, notre rideau, là, il est ouvert. Comme ça, on peut voir un peu à côté. Et là, Doudou, lui, il est là. Voilà. Oui, je suis là. Ici, donc, on a notre petite cafetière, normalement. Mais là, on n'a pas pu. Donc, Doudou va vous mettre une pierre de sel. Ici, alors, tous les animaux, tous les cadres animaux, c'est nos animaux. Tous les cadres avec le petit garçon chelou, c'est Mathéo. Et, Ils sont bébés, regarde! Ah non, quand même pas. Mais si, regarde! Mais, oh, t'es pas gentil. Mais non, il est plus comme ça maintenant. Ouais, mais avant. Et le cadre du milieu, c'est notre photo de mariage, voilà. C'est le cadre de notre star. Non, non, on est les deux dessus, notre photo de mariage. Alors, ici, on a nos cubes, du coup, avec nos petites affaires d'Harry Potter. Il y a encore des Harry Potter ici. Ouais. Ici, il y a des pop Harry Potter avec notre petit salon. Avec la baguette Harry Potter. Aussi. Ici, il y a nos télécommandes, normalement, mais là, du coup, on ne les voit pas. Là, ici, c'est mes consoles. Le petit griffoir du chat. On a rajouté le petit aspirateur, parce qu'effectivement, notre aspirateur est juste ici. Par contre, c'est pas vrai. Notre vue, on n'a pas de feu rouge par la fenêtre. Non. Ça, je peux vous l'assurer. Faux. Là, c'est la vue sur, si on pivote, Mamie Colette. Exactement. Ouais. Là, c'est notre évier. C'est un peu chelou, quand même, parce que ça fait vraiment impressionnant, quand même. C'est vraiment notre... Ici, on a les suit-tout, normalement, mais j'ai... Mais c'est quelqu'un qui vient chez nous, il va savoir tout où c'est. Exactement. Moi, j'y peux, maintenant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ici, c'est notre petit plan de travail où on cuisine, et là, normalement, il y a un rebord. Ouais. Ensuite, on va aller voir vite fait vers nos escaliers. Bon, on aurait pu passer par là. Hein. La porte est condamnée, mais dans les Sims, on peut y aller. Regardez, je traverse le frigo et bim! Mais il n'y a rien dans le frigo, c'est vide. Non, c'est vide. Et ici, effectivement, on a notre montée d'escalier. Mais alors là, pour le coup, c'est typiquement comme ça. Hein. Ouais. C'est vraiment, on a le gros rideau rouge. Ici, c'est les affaires des chats avec la commode. Bon, c'est mieux rangé chez les Sims, ça, hein, on va pas se mentir. Ouais. Parce que nous, à ce niveau-là, on a quand même un peu de bazar en dessous de l'escalier. Ça va, quoique, ça va. Donc voilà, pour cette partie 1, on va rester sur le bas. Et on fera le haut sur une partie 2. Parce que là, autant vous dire que ça fait plus de 3h30 qu'on filme en tout sur 2 jours. Et que il y a encore des trucs à l'étage. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à dire en commentaire. Il vient de taper, c'est-à-dire que ça a dû résonner dans vos oreilles. On s'en excuse. On fera la partie 2 du coup la prochaine fois. Ça. On va avoir encore du taf, je pense, parce que bon, à l'étage, il y a il y a quand même encore du bazar. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo. On espère que celle-ci vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on se retrouve. J'ai les oreilles décalées. Regarde, elles sont pas droites, mes oreilles. Comme dans la vraie vie. J'ai pas les oreilles décalées dans la vraie vie. Attends. Sur ce, nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.